Alors là, ouais, c'est le, là, c'est le gros débat, c'est le gros sujet. Je comprends. Je comprends. C'est un truc religieux. Un c'est personnel. Je ne comprends pas, mais après, ça ne me choque pas du tout. Et, elles font ce qu'elles veulent. Si elles ont envie de se voiler, bah, qu'elles se voilent, ma foi. C'est leur choix. Ouais. Mmh. Du moment que ça ne leur est pas imposé, ça ne me dérange pas. Si c'est un choix personnel de conviction religieuse que la fille, elle a vraiment envie de se voiler. C'est jamais un choix complètement et personnel. C'est ça le problème, la fille, on peut pas elle, le savoir. Elle a été éduquée dans une famille. Donc même si elle dit c'est moi qui décide, non, tu décides jamais puisque t'as été élevée dans un certain... Oui, mais toi, ta façon de vivre, c'est aussi ta famille qui l'hérite et t'aurais pas envie qu'une personne vienne te dire ouais, ben change ta façon de vivre. Je suis d'accord. Par rapport aux plus anciennes générations, les jeunes d'aujourd'hui sont incontestablement beaucoup plus tolérants quant au respect que l'on doit avoir pour la façon dont chacun a choisi de vivre sa vie et qui peut les conduire à finalement considérer qu'il ne faut pas se crisper sur ses problèmes religieux, sur ses problèmes identitaires, peut-être pour désamorcer le terrorisme. En France, je ne comprends pas dans l'espace public, voilà. Je sais pas, je me connais pas vraiment en religion, mais c'est pas on... Enfin, on est un être humain, on a un corps, on a une identité, un visage, un truc, on c'est pas fait pour être caché, quoi. On s'est tellement battu pour les droits de la femme et on se bat tellement encore que moi, je les appelle les Belphégores, quelquefois, parce que ça ressemble à Belphégore, c'est mon père qui disait ça. Et ça me fait mal au cœur, quoi. Si majoritairement les jeunes se montrent très tolérants, dans certains segments de la jeunesse, malgré tout, eh bien, il peut y avoir des crispations identitaires plus marquées, notamment chez les jeunes qui sont sortis du système scolaire de façon précoce, qui sont faiblement diplômés, déjà au travail, notamment les jeunes ouvriers, qui sont très largement choqués par exemple, le port du voile. Habe ich gar kein Problem mit, weil jeder hat seine, seinen Glauben, seine Religion. If it's what they believe, who am I to say it's not right? Because I have what I believe in. Ich kann mir jetzt nicht anerzählen, dass sie das freiwillig und gern macht, sich so einpacken. Ich meine, jede hat ein bisschen, wie sagt man, nicht stolz, aber jede wie ein junges Mädel, die mitten im Leben steht, die wird ja nicht freiwillig bitchen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist alles von der Familie, der Religion, die was sie da bringt. Ich kann mir das selber nicht vorstellen. Ces résultats montrent que les jeunes Français se montrent très ouverts si on les compare à leurs aînés, mais il n'en reste pas moins vrai que si on les compare aux jeunes Européens, cette question du port du voile notamment, montre bien qu'ils sont malgré tout porteurs de la culture laïque républicaine dans laquelle ils ont grandi. Et donc ils se montrent quand même un peu moins ouverts, un peu plus choqués, un peu moins tolérants que leurs congénères européens sur cette question.